Alors aujourd'hui, on est au Pradly, station du tannage Pradly Saumon, en Haute-Savoie. Et le club d'Arvejuif Handball organise un tournoi de handball sur neige, donc un snowball, en priorité pour attirer un petit peu les touristes, pour leur montrer un petit peu ce que c'est que le handball. Et puis on innove un petit peu dans la région parce que ça n'existe pas beaucoup. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner ce soir. Reparti dans l'esprit du handball, voilà. En changeant simplement le support. Du coup, on joue sur neige, donc pas avec la même tenue forcément, mais c'est vraiment l'esprit handball. On reprend les règles du handball, trois joueurs sur le terrain, un gardien, pas de contact, et puis les buts les plus marrants possibles. C'est très sympa. Bon, en plus, mon petit-fils fait de la compétition. C'est sa première année. Il adore le handball. Il est amoureux du handball. Et je trouve que c'est un sport qui est un peu méconnu par rapport à d'autres. C'est très ludique, disons. Tout le monde s'amuse. C'est bon enfant. Il n'y a pas de mauvais gestes. Et c'est très bien. Bah, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est autre chose qu'en salle. Parce que ça glisse. Et c'est intéressant pour que tout le monde puisse découvrir un autre sport, en fait. Des clubs français montrent l'exemple aux gens qui participent. Toi, tu joues dans un club aussi? Oui, mais pas dans un club de handball, seulement dans un club de waterpolo. Est-ce que ça te donne envie de découvrir un peu plus le handball, par exemple? Oui, bien sûr, je vais essayer des stages quand je rentrerai chez moi. Tu joues dans quelle équipe? Arvejuif. C'est cool! C'est cool.